apparaissent à l'écran, donc 1322 inscrits. Nous avons une technique 405 votants, soit un taux de participation de 42,68%. Il y a eu 4291 exprimés. La liste de M. Jean de Milon a obtenu 291 voix, soit 6,78% du suffrage exprimé. La liste de Michel Forget a obtenu 1168 voix, soit 27,22% des suffrages exprimés. Et la liste que je conduisais a obtenu 2832 voix, soit 66% des suffrages exprimés. Vous me permettrez de faire, bien évidemment, à ce stade, quelques commentaires pour, bien sûr, me réjouir avec René Lebrun de ce résultat important, puisque 66%, c'est quand même un score très important pour un maire sortant. Dire aussi que nous sommes en tête sur tous les bureaux de vote. C'est la première fois que ça se produit, avec des scores qui sont tout à fait exceptionnels, puisqu'on fait 73% sur un des bureaux du Clos Gaspel, 71% sur un autre, on fait 61,6% sur le bureau de vote de La Ruche, par exemple, 59,7% à Yvonne Jean-Eiffel. Donc nous sommes en tête sur tous les bureaux de vote, et c'est la première fois que ça se produit à Dinan, donc vous comprendrez toute ma satisfaction. J'y vois bien sûr à la fois la récompense du travail qui a été accompli par l'équipe municipale sortante, tant à Léon et Cadinan, aussi, je dirais, combien la commune nouvelle a trouvé au travers de cette élection toute sa légitimité. Bien évidemment, on peut regretter que le taux de participation ne soit pas plus élevé, mais il s'explique ce taux de participation aussi par des circonstances tout à fait particulières que nous traversons, puisque outre ces élections, notre pays connaît une crise sanitaire gravissime sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Je voudrais saluer et remercier l'ensemble des candidats, de celles et ceux qui se sont présentés à cette élection et qui ont ainsi fait vivre la démocratie à Dinan. Saluer aussi les scrutateurs, les assesseurs qui ont participé aux opérations de vote. Ce n'était pas forcément évident aujourd'hui, et là aussi un grand merci à eux d'avoir donné de leur temps tout au long de cette journée. En nombre d'élus, la liste que je conduisais obtient 30 élus au conseil municipal et 10 au conseil communautaire. La liste Dinan Diversité obtient 4 élus au conseil municipal et 2 élus au conseil communautaire. Et la liste de M. de Milon obtient 1 élu au conseil municipal et aucun élu au conseil communautaire. Si je trouve une liste, quelque part, je vais vous donner la liste nominative des élus. Je crois qu'on ne l'a pas. Bon, d'accord, très bien. Vous les découvrirez prochainement, puisque le conseil municipal d'installation pour l'élection du maire et des adjoints aura lieu d'ici la fin de la semaine. Je vous demanderai encore quelques minutes si vous voulez bien. Vous dire aussi, comme je l'indique à